Bonjour et bienvenue sur Rigata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droid Tech et c'est reparti pour Subnautica. Donc c'est pas l'autre version, hein, c'est la première version, celle qui était sortie en 2014, puis un peu sur PS4, Xbox et tout ça, et maintenant disponible sur Switch depuis le mois de mai. Donc Subnautica, et là on est au cinquième épisode. Donc comme je vous avais dit dans les précédents épisodes, j'ai farmé un peu. Donc on va découvrir un peu ce que j'ai fait si vous n'avez pas vu ou si vous découvrez l'épisode. Donc du coup j'ai un bioréacteur qui me sert pour l'électricité, la puissance là. Voilà tout simplement. Donc dedans on met un petit peu tout ce qu'on trouve dans la mer tout simplement. Voilà. Donc là j'ai mis des champignons. Donc là pour vous montrer vite fait on va aller prendre quelques champignons. Donc là on est en nuit, c'est pas grave. Donc là je vais prendre des algues par exemple. Hop. C'est bon. On va les remettre dans le bioréacteur. Voilà. Bon, ça j'avais mis, c'était pour le fun, c'est un snack, mais ça me sert à rien. Là, je le mets à la poubelle. Donc là j'ai mis. Donc ça c'est ce que j'avais scanné. Des pots. Je vais vous montrer l'endroit tout à l'heure. Parce que du coup, vous allez voir, j'ai mis pas mal de balises. Parce que pour faire avancer les épisodes. La découverte c'est bien, le problème c'est que des moments tu cherches super longtemps avant de trouver quelque chose. Donc j'ai préféré, sans aller découvrir à fond, mettre des balises et découvrir avec vous. Donc voilà, donc là j'ai mis pas mal de trucs. Donc là, uranite, les dents par exemple, là j'ai fait les dents de rôdeur. Là j'en ai trouvé quelques-unes, rubis. Donc ça c'est dans une autre zone. Voilà, les champis des abysses. Donc là pareil. Donc je les ai pris parce que ça va peut-être me servir, je sais pas, peut-être ou pas. Donc là les champignons par exemple on va peut-être en avoir besoin. Donc là c'est de la magnétite, ça on va en avoir besoin, j'en ai pas beaucoup. Mais tout ça c'est dans des espaces que j'ai découvert au fur et à mesure. Donc les diamants, l'or j'en ai un bon paquet, voilà. Et le corail, voilà tout simplement. Ensuite là j'ai de l'huile de sang, donc là pareil c'est ça va servir après. Donc j'étais dans une zone, j'étais en train de fouiller et puis donc voilà. Ah puis j'ai ça, j'ai les spores. Les spores en fait ça vient des monstres qui lâchent des grosses boules. On en voit partout là. Ça, des capsules de gaz. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Et je me suis fait un aquarium, mais pour l'instant il sert à rien. Donc là c'est en construction. Mais c'est histoire de. Donc là je vais pouvoir mettre de la biodiversité dedans. Donc on verra ce que ça donne. J'ai voulu le faire histoire de quoi. Donc voilà, là je me suis fait une sortie. Et tranquille. Donc là. Comme ça me saoulait de pêcher et tout ça, bah, j'ai mis ça. Donc ça s'appelle un piège à gravité et ça permet de récolter le poisson. Tout simplement. Donc pour manger, boire facilement. J'en ai mis deux, tranquillement. Voilà. Là normalement, voilà j'en ai un là. Donc il suffit de me servir. Donc là par exemple j'ai besoin d'eau. Donc je vais prendre les pochons. Bah, j'ai hâte d'avoir l'eau filtrée là. Parce que aller à la chasse aux pochons tout le temps c'est chiant. Hop là, il me faut un poisson. Non, j'arrive pas à les avoir. Hop. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est pas grave. J'arrive pas à les avoir. D'habitude, je les ordre 4-6, mais là. En blanc. Je pense que ça me suffira. Allez. Donc faut pas hésiter à visiter aux alentours. Par contre, faut faire super avant attention. Il y a des zones mortes où il y a des léviathans et tout ça. C'est un peu chaud là. Dès qu'il t'attrape, il te bouffe. Là, pareil, je me suis fait de l'eau avec les pochons. Comme ça, j'en ai en stock quand je pars en mission. Je suis tranquille. Hop. Donc si tu sais pas de quoi je parle, n'hésite pas à aller voir les deux premiers épisodes. C'est un petit peu long, mais comme je vous l'ai dit, les épisodes, on peut pas faire ça en une demi-heure, c'est pas possible. Ok, et pensez aussi à sauvegarder régulièrement sur Switch, parce que j'ai déjà eu deux gros crashs, deux gros freezes, et du coup tu perds vraiment tout jusqu'à la dernière sauvegarde. Donc si tu joues, tu joues, tu joues, et tu sauvegardes pas, voilà quoi. Donc là c'est pour trouver les minerais, tranquillement, je les construis. Et là j'ai réussi à trouver aussi, c'est le super chargeur. Donc ça c'est super bien, donc ça va me servir pour le Simos et le chargeur de pile. Voilà, donc là j'ai mes armes et du coup
Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, là, c'est améliorer le Simos. Donc là, ça, j'ai déjà amélioré le couteau de survie. C'est pour ça que j'ai un couteau là, hop, avec une lame. Enfin, une lame dorée. Donc ça, le léger réservoir, je l'ai. Les pommes ultra glissantes, je les ai de mémoire. Donc, je les ai fait. Ensuite, là, on a pour le cyclope, mais je l'ai pas encore le cyclope. Le cyclope, je vais vous montrer les endroits pour avoir le cyclope. Et donc, nous, on va faire ça, là, le MK2. Donc, il faut le module de profondeur, du plastacide, de la magnétite et du verre émaillé. Donc, hop, tu vérifies que... Bon, là, on est... Par contre, il faut peut-être que je mange aussi. Voilà, comme ça, on est full. Donc, je vais récupérer mon module. Alors, à quoi ça va te servir de faire ça? Merde. À quoi ça va te servir de faire ça? C'est pour aller plus profond avec le Simas. Parce que là, pour l'instant, j'ai le MK1. Le MK1 me permet d'aller à 300 mètres. De base, ça doit être 200 mètres. Avec le MK1, tu peux aller. Et donc, avec le MK2, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais le reprendre. Bon, le radar, il sert à rien. Ouais, déséquipé. Ça, je l'ai. Hop. Donc, du plastacier, de la magnétite. Je sais plus quoi encore, c'est pas grave. Ça va être là peut-être. Là je sais que j'ai de la plastacier, voilà. Hop. Donc là si tu veux voir, tu viens ici. Faut trouver les modules. Donc voilà, j'ai crafté pas mal de trucs. Hein. Donc tout ça c'est à scanner. Mais chance pour vous, j'ai vu les zones et on va y retourner ensemble. Donc là j'ai pas encore fait de mobilier, ça sert à rien. Par contre je sais pas où c'est. Est-ce que ça va être par là? Les modules... Ouais, ça va être là. Donc, module MK1. Module MK2, voilà. Donc, il faut lingot de plastacier, magnétite x2 et du verre émaillé. Donc, la magnétite et le verre émaillé. Voilà. C'est parti. Du coup, on va pouvoir descendre beaucoup plus profond. Et si on peut, on va faire même le module MK3. Parce que du coup, on est obligé de passer par une phase avant d'avoir l'autre. Ce qu'il faut... Allez, c'est parti. Nickel, on a tout. Donc avant, on pouvait aller à 300 mètres. Et là, je suppose qu'on va pouvoir aller au moins à 500 mètres. Oh, le bruit derrière dès que tu crées quelque chose, là. Donc là, dans mon module de stockage, j'ai mis ça, en attendant. Donc des piles, des balises et tout ça. Très très important, mettre les balises. Non, c'est pas ça. Hop. Et là, j'ai le module MK2. Allez, on va faire un petit tour. Et voilà, 500 mètres. Donc là, je peux descendre à 500 mètres de profondeur. Et au niveau du radar, donc là, je peux... Voilà. En fait, c'est juste ça. Mais ça te rapporte rien de plus, quoi. Tu vois? Donc je l'ai fait, mais... T'as même pas le retour de... Je sais pas, des Léviathans ou des trucs comme ça, quoi. C'est juste pour la zone. Donc je pense que je vais l'enlever. Et je vais plutôt mettre le truc électrifié. Donc là, comme vous avez vu, il y a pas mal de balises. Donc là, j'ai mis la zone de rubis. Donc toujours partir de l'endroit par rapport à la base, d'accord? La grotte rose, donc ça je l'ai pas encore faite. La zone de rubis, c'est en allant, voilà, je me suis égaré à 1200 mètres et j'ai trouvé une grotte de rubis, tout simplement. Là, l'huile de sang, pareil, j'ai mis une balise. Là, une grotte à visiter, donc ça on va le faire ensemble. Ça, je les ai laissés pour vous, donc là, 300 mètres, je vais pouvoir y aller. Et là, j'ai trouvé une zone à scarabée, un truc de dingue hier. Vraiment un truc de dingue. Pareil, je me baladais tranquillement. Voilà, voilà. Donc, les balises là, l'île alien, ça on l'avait vu dans le premier. Et là, j'ai un vaisseau à voir aussi. Donc, c'est dans le vaisseau à voir, quand j'ai commencé à crafter, à scanner tout ça, où j'ai découvert le superchargeur. Donc là, toujours par rapport au vaisseau. Si on se met par rapport au vaisseau, là on va sortir. Donc, le vaisseau de référence pour l'instant c'est le life pod là, le kit de survie. Ok, donc en fonction où tu es, on va dire qu'on se met comme ça là. Voilà, là t'as les trucs, là t'as le life pod. Donc là tu vois, t'as le truc à aller chercher ici à 230 mètres. Là j'ai le champ volcanique, là j'ai la caméra 2. Donc la caméra 2, je l'ai positionnée là-bas, mais elle est totalement perdue. Là c'est le fameux vaisseau à voir. Donc là t'as l'orientation là. Donc c'est total nord, ok. Donc là nord-ouest, il n'y a rien. Là voilà. Donc si tu regardes, hop, on va se mettre comme ça. Donc c'est à l'ouest.
Donc à l'ouest, voilà, t'as quelque chose. Et on continue. Donc toujours à l'ouest, hein. Voilà, l'huile de sang. Sud-ouest, la grotte à visiter. Là, il y a quelque chose à aller voir. Le truc d'escarabée, sud-ouest. Ok. Voilà. On a fait à peu près le tour. Donc là, on va aller voir les deux capsules de survie, parce que du coup, je les ai laissées exprès pour les faire avec vous. Pour continuer l'aventure. On va aller prendre de l'eau. Donc ça, vous l'avez vu. C'est pour renommer, changer la couleur du Simos et tout ça. Là, j'ai bien mangé, c'est bon. Hop. Prendre, ouais, même 3 os. Au cas où. C'est ce qui consomme le plus. On prend le cyprès. En plus, maintenant, on peut aller à 500 mètres. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est le module 2. Qu'est-ce qu'il faut pour le module 2? Ça se trouve, je peux pas le faire tout de suite. Hein. MK2, MK3. Ah, j'ai du rubis et j'ai du lingot de plastacier. On peut peut-être le faire. On va aller faire les deux trucs et on verra après. Mais du rubis, j'en ai récupéré. Donc pareil, en fouillant. J'ai pas suivi l'histoire. En fait, c'est vraiment fouillant. Je me suis perdu dans les fonds. Mais vous aussi, n'hésitez pas. De toute façon, je l'ai marqué. Il a rubis, machin truc. Allez. Là, on y va. On va à 300 mètres. Sachant qu'on a un truc qui va à 500 mètres, on va être tranquille. Parce que sinon, à 300 mètres avec le CMOS, sans le MK2, ouais, c'est mort. Donc, le verre. Tu le fais avec du verre et puis une dent de rôdeur. Et lingot plastacier, c'est la magnétite avec des lingots de titane. Tout simplement. Là par contre, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, 3 kilos. Donc je sais pas ce que je vais rencontrer. Mais du coup, le pouvoir descendre à 500 mètres, ça fait plaisir. Ça change complètement. Hop. Je vous laisse apprécier le son. Donc pareil, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, là pour l'instant je vous la fais en mode tranquille, donc là voilà, c'est à visiter. Hein. Là tout ça c'est à faire. Quant à... Je vais pas le faire en épisode, peut-être plus tard, s'il y a besoin. Mais si... N'hésitez pas à le faire, vous revenez dans la zone, hop, quitte à mettre une caméra, une balise et tout ça. Et puis voilà. À moins que ça soit vraiment dans la grotte. Hein. Attends, il est où le truc? Hop. C'est peut-être dans la grotte, non? Ah, ça a l'air d'être là. De toute façon, faut descendre à 300 mètres de mémoire. On y est. Voilà. Donc, gros avantage de pouvoir descendre en profondeur. Et il y a peut-être des trucs à prendre. Et voilà. Donc là, on arrive, on a du rubis, par exemple. Là-bas. Voilà, tout simplement. Donc là, vous arrivez là, vous avez déjà le rubis. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, il y a un truc. J'ai vu que ça s'est éclairé. Ah, là. En plus, il y a des lingots là. Donc, faut pas hésiter à les prendre. Données téléchargées. Ça, c'est quoi ça? Du lithium, voilà. On va aller prendre le rubis. J'étais pas venu pour craft à la base. Hein. Mais voilà, là, on découvre le rubis ensemble. Et moi, j'ai découvert vraiment comme ça par hasard. Je sais pas ce qu'il y a par là, mais... J'ai vu qu'il y avait un truc qui... Je sais pas quoi, là. Donc ça, c'est fait. On va aller dans la capsule. Capsule 19. Et comment on rentre dans cette capsule? Par là. Elle était bien ouverte, hein. Je
pas ici. Ah, là peut-être, ouais. Hop. Ok. Bon, j'ai déverrouillé un truc. Là, il n'y a rien à prendre. Donc, faut pas hésiter à chercher. Parce que des moments, j'ai loupé des choses. Non, bah, il n'y a rien. De toute façon, j'ai bientôt plus de... Non. On va retourner dans le CMOS. Donc la zone t'emmène bien quelque part pour trouver quelque, enfin, pour trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah bah tiens, il reste encore du rubis là. On va y aller. Puis il y a même du quartz. Oula oula. Donc j'ai bien fait d'attendre. Ah, il y a un... qu'est-ce que... Il y a un truc à scan là, je sais pas ce que c'est. Non. Peut-être ce machin là. Ah ouais, ça c'est... Oh, c'est chaud ça. Avec le couteau, tu peux les dégommer. Mais par contre, tu prends cher. Il y a un truc là, mais je sais pas ce que c'est. C'est le chargeur de pile. Haute capacité, mais elle est aussi là. Bon bah voilà. Tu peux le trouver ici, le chargeur de haute capacité. Donc t'as même pas besoin d'aller dans la zone où je t'ai dit. Oh oh oh. J'avais pas pris ça. Ah, réservoir très haute capacité, bah tu vois. Ah, 69, il me reste encore du temps. Bon, du coup, je vais pouvoir me faire un réservoir très haute capacité. Donc l'épisode va être fort enrichi en construction. Tant mieux. Voilà, tac tac. Là, ça doit être un œuf, ça. Ouais, œuf de créature, mais j'en ai pas besoin. Ça, j'en avais déjà pris, là. La sec de gélatine. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'en prends. On va retourner dans le CMOS. En fait, j'essaie de prendre un petit peu de tout, comme ça, si on me demande, bah j'en ai. Hop, tranquille. Donc, on a déverrouillé des trucs. Ouais, donc ça, du titanium, ok, super, on a du rubis. On a le réservoir très haute capacité. Donc ça, on va le faire direct. En plus, on a du lithium, donc c'est impeccable. Bon, les photos, on s'en fout, en vrai. C'est moi qui a bugué. Voilà, hop. Et c'est tout ce que j'ai débloqué, je crois. Ouais, pour l'instant, voilà. Donc c'est déjà pas mal. Pourquoi tu fais bien nuit, hein? Hop. Une petite sauvegarde. Hop. Parce que j'ai pas envie de tout perdre et de recommencer. Ça va dans la zone, il n'y a pas trop de méchants là, il n'y a pas de Léviathan, il n'y a pas de rôdeur, je sais pas quoi là. Tant mieux. Hop. Et j'en ai vu un en bas, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un gros. Pou 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 pou. J'ai hâte d'avoir le matos pour le faire ça. Parce que du coup, ça t'évite de prendre des petits trucs. Voilà, laisse tomber. Je sais pas ce qu'il faut pour ça, mais. Un équipement spécial est requis. Ouais, tu parles. Je sais même pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Si c'est à la fin du jeu, l'équipement spécial. Je crois qu'on a tout fait là. Bon, il reste un peu de quartz, mais c'est pas grave. Au pire, on reviendra. Donc voilà, vous avez la zone. Au pire, je reviendrai offline. Je pense pas qu'il y ait des trucs à découvrir là. Et j'aimerais bien faire le truc là, haute capacité. Tu vois, si c'est une grotte et que ça craint du boudin. Ouais, c'est une grotte. Du coup, pas se prendre la tête. Je veux juste ressortir là. Oh là là. Voilà.
Ok. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Ah, il y a un truc là. On peut aller voir. On a 5 minutes, on peut aller voir. Porte scellée. Donc là, il faut pas ça. Hop. Voilà. Toi, j'avais pas vu celui-là non plus. Elle défonçait la porte. Donc tu viens pour un vaisseau, t'as plein de trucs à voir. Donc quand c'est comme ça, tu prends ce que t'as à prendre. Tranquillement, tu découvres, même si t'as pas le temps de tout découvrir. Par contre, j'aimerais bien. C'est la lumière. Et faut pas hésiter à revenir. Donc là, ça j'ai déjà. Ah. Inventaire plein. Ouais, ok. Système d'extinction assorti du cyclope. Ok. Bon, station de modification, je l'ai déjà. Là, j'ai un inventaire plein, mais du coup, je peux revenir. Porte scellée. Ah, j'ai déjà découpé. Ok. Il n'y avait que ça? Ah non, il y a par là. Ouais, hop. Ouais. Quitte à laisser un. Tu laisses une balise et puis tu reviens quoi. Voilà. Donc là, je peux remettre un petit peu d'ordre de mémoire. En plus, j'en ai des balises. Hop. Conteneur échantillon. Un microscope. Attends, il y a un truc là. On m'a dit qu'il y avait un truc à scanner, mais je sais pas quoi. Bâton lumineux. Ah, cool. Je sais pas quoi ça sert, mais. Bon, il m'a dit qu'il y avait encore d'autres trucs à scanner là. Peut-être ça. Ouais, ça. Ouais, mais ça, voilà, on l'a déjà. J'ai passé trop de temps là. Je vais reprendre un peu. C'est pour ça le truc haute capacité, on va se le faire direct. On va être tranquille. Parce que là, du coup, t'as pas le temps d'explorer comme tu veux. Si t'aimes bien fouiller et tout, t'es obligé de retourner plusieurs fois. Voilà, voilà, viens par là, toi, Maurice. Peut-être quelque chose par là à voir. Ou pas. Non, il n'y a rien à visiter par là, je crois. Non, sinon il m'aura autorisé. J'ai tout pris. Analyseur d'échantillons, mais j'en ai déjà bien, l'analyseur d'échantillons. Donc, à revenir dans la zone pour... Ok. Point de rendez-vous de l'Aurora, type énergétique. Du coup, point, il me l'a supprimé. Et c'était je sais plus quoi. Hop. Parce que du coup, tu peux les remettre hein, si tu veux. Là, t'as le signal capsule de survie, signalement. Là, 300 mètres. Bas fond.
Capsule de survie 19, ouais, c'était celle-là. Donc celle-là, je vais la mettre en jaune. Voilà. 30 seconds. Et je vais revenir. Pour... je cherche encore des trucs à prendre. Et donc notre base, elle est par là. Allez, on y retourne. Pas prendre de risques. Donc lithium, rubis, impeccable. Bon là je remonte parce que j'ai pas envie d'affronter plein de trucs et tout ça. Là ce que vous entendez c'est les gros là. Je sais pas où il y en a mais il doit y en avoir. Ouais là, voilà, là on le voit au fond. Là il y en a en face. Donc les indications vous pouvez les retirer. Hein. Là je laisse tout, mais on peut les retirer au fur et à mesure. Et la balise, une fois que t'es sûr que tu vas pu y revenir, bah tu l'enlèves et tu la mets ailleurs quoi. Donc là c'est plutôt des zones safe. Hein. Parce qu'il y a des zones, voilà. Ah. Je sais pas ce que j'ai entendu mais... Ça annonce pas du propre là. Franchement le jeu il est archi captivant. Tu peux y passer 2, 3 heures, 8 heures non-stop. Donc ce que je vous disais, les capsules de gaz, c'est ce machin là qui les produit. Quand il sent qu'il est menacé. Non moi ça je vais aller par là, voilà. Et voilà, c'est fait. Et du coup, on a la réservoir haute capacité. Donc, je sais pas si on le fait là ou ailleurs. Ouais, il est là. Donc, il faut le réservoir O2 plus du lithium x4. Ok. Alors, ce qu'on va faire déjà. On va... Pas de choses à faire. Ranger le rubis. Enfin, si j'ai du rubis là. Hop. Ouais, j'ai du rubis. Je le range et puis après, hop, plus j'en ai dans le vaisseau encore. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, ces machins là. Ça c'est pour faire du verre. Hop. Non fonctionnel, ouais, j'aime bien les trucs non fonctionnels. Ça j'en avais déjà récupéré. Oh merde, oh tant pis. Poisson, nanana, taux calorique très élevé, ok super. On va cuire le poisson, on va le manger. Le verre c'est pour moi. J'aime bien les constructions en verre. Puis ça fait de la place. Voilà, hop. Hop, ça on le mange. Nickel. Donc on nous a dit il nous faut du lithium. Bonne question. Hop, ça c'est tout ce qu'on a. Donc là ouais j'ai découvert des trucs. Pareil, ça faut zoner. C'est avec l'huile de sang. Dès que tu récupères l'huile de sang, tu as tout ça quoi. Et donc les champignons, je les ai récupérés pour ça aussi. Avec le dépôt de sel. Mais je sais pas à quoi ça sert pour l'instant l'acide chlorhydrique. Peut-être à en faire, je vais voir. Peut-être en faire tout à l'heure. Tiens là il me le propose pas. Pourtant c'est dans les améliorations. Là. 4 lithium. Allez. Lithium là. Attends, 4 lithium quand même. 2, 3, 4. Ok. Le lithium, sachant que c'est compliqué à avoir. Comme ça on va pouvoir aller bien bien profond tranquillement. Donc là faut que je me déséquipe. Ultra glissante, je les avais déjà. Ok. Allez. Qu'est-ce que... Ah zut, mais j'ai pas assez de lithium. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah pourtant j'en ai bien 4. Oula, il m'en manque encore 4.
réservoir haute, haute capacité. Ah merde. Je crois que je l'ai jeté encore en plus. Tant pis. Donc là, on va le placer là. Et je sais même pas comment on le recrée. Je pense que c'était avec la machine. Le premier réservoir, on l'a fait avec la machine. L'autre, c'est sûr que je l'ai jarté. Voilà, faut du titane. Toujours avoir un peu de titane sur soi. Ah, il y a peut-être une amélioration avec le très haute capacité alors. Réservoir O2, haute capacité. Je l'ai là. Ah non, il est équipé, merde. On va pas y arriver. Hein. Ah non, c'est un réservoir standard. Non mais c'est pas possible. Hein. Je n'ai pas le réservoir O2 haute capacité. Je peux pas l'avoir. Je pensais que c'était celui-là, mais non. Et j'ai fait n'importe quoi. Là. Ah bah c'est celui-là. Ok, nanana. C'est celui-là, il me semble. Du coup, j'ai fait lequel, moi? Je sais même plus. Il y a tellement. À 90 secondes d'oxygène, donc il y en a un que j'avais pas fait. Ok, c'est pas grave. Donc il faut le réservoir d'oxygène standard. 4 titanes, minerai d'argent. Ok, bon, il me semblait que je l'avais fait. Il me semblait que c'était celui-là. Ah non, celui-là c'est le léger. Il y a de quoi s'y perdre, franchement. Il y a de quoi s'y perdre. Titan x4, il mérite d'argent. Et minerais d'argent. L'argent, l'argent, j'en ai là. Titan x4, ok. Oh, du titane, j'en ai toujours en stock. Là, cette fois-ci, c'est bon. Je sais pas où on crée, si on le crée là ou ailleurs. Voilà. Je l'avais même pas créé celui-là. J'étais parti avec l'autre, comme quoi on oublie de faire des trucs. Oh. Ah. Petit bug. Ah mais il se moque de moi là. Je suis équipé. Putain, on va y arriver. Hein. Mais il était temps. Et voilà. Donc du coup on est monté à... Oh là là. Oh, ça fait plaisir. Ça c'est bon. Du coup j'ai encore un truc là. Je sais pas ce que j'ai créé. J'ai un petit 1. Bon du coup vous avez vu pour le superchargeur. Ouais. Ah c'est ça, système d'extinction pour du cyclope, ok. Bah, le soufre cristallin j'ai toujours pas, les rejets je sais pas comment on fait. Donc ça on va les voir ensemble après. Donc là je les ai récupérés mais pareil, hein, c'est en farmant. Il y a deux zones.
renfort de coque, module de rendement moteur. C'est ça que je voulais faire. Mais j'ai pas le polyanilyl. Je sais pas comment on le fabrique. MK3. Ah, j'ai pas de tistène. Ah non, c'est pour Cyclope. Donc j'ai du rubis x3, du lingot de plastacier. D'acier. On peut peut-être faire celui-là pour être tranquille. Est-ce que je vais pouvoir faire un petit peu de place? Ok, j'ai du verre. Là, j'ai. Mais ça, je sais pas quoi ça sert. Assigner un emplacement rapide. Une variante du récipient vert inutile. Ok. Lingot de plastacier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il me faut, je crois, du lithium. Si je dis pas de bêtises ou de la magnétite. J'ai un doute. C'est en haut, ça, les lingots de plastacier. Voilà. Non, c'est lithium x 2. Hop. Ça, puis du rubis x 3. Et comme ça, on va être tranquille. On sera au maximum. Pour aller dans les eaux profondes. On va avoir le niveau. Donc je pense qu'on va aller au moins... Ouais, peut-être pas 1000 mètres, mais... Et du rubis. 1, 2, 3. On prend le module MK2. Ah ouais, il est encore là aussi. Je vais carrément zap. Là. Et on va se faire le module MK3. D'où l'importance de bien farm, d'avoir plein d'objets. Ça, c'était vite de galérer. C'est plus facile, hein. Et voilà, j'ai le module MK3. Je peux pas faire plus là. Donc on était à 500, on va voir où on va aller maintenant. Hop, on va placer le rubis. Puis après on va aller vers l'autre navette là. Hop, hop, hop. J'ai mon lithium. Après tu fais comme tu veux, moi j'ai placé ça comme ça pour éviter de chercher et tout quoi. C'est trop casse-couille de chercher tout le temps. Ou d'aller. Tu te fais quelques petites sessions. C'est pour ça si tu le fais en live, bah tu vas voir que... Hop. Une petite sauvegarde. Avant que ça crache. Enfin si ça crache. Allez c'est parti. Donc toi j'avais continué à faire des salles. Peut-être que je vais avoir d'autres trucs à faire par rapport... ou à acquérir d'autres salles, j'en sais rien. Là par rapport à ça, 85, 66, là je peux le changer. Donc là j'appuie sur Y, après avec la touche, enfin, le joystick de gauche, et je change. Du coup t'as le chargeur, hop. Et j'en ai aussi dans le CMOS au cas où. Voilà. 96. Ça aussi je peux le changer. Autant partir à 100%. Merde. Voilà. Alors si tu demandes pourquoi je sauvegarde et tu viens de prendre l'épisode en cours, c'est parce que j'ai pas mal de crash sur Switch. Donc je préfère pas prendre de risques. Et voilà, 900 mètres. Bon bah là on est tranquille. Hein. Par contre du coup la capsule de survie jaune on l'a plus, donc elle a dû être... Attends, elle était dans le coin de mémoire. Ah oui, elle est là. Ok. Donc là, on a... point de rendez-vous. Nanana. Terre émergée. Je crois qu'il y a une autre capsule de survie. Voilà. De mémoire, il y a une autre capsule de survie à faire. Là.
pas grave. Allez, on y va. Donc elle est à 250 mètres. Et là, vous avez vu, on peut aller à 900 mètres maintenant. Donc autant dire qu'à 900 mètres... Il doit y avoir des grosses bêtes. Par contre, je pars avec... Je fais une bêtise là. Ouais, je pars comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Erreur de débutant. On va prendre de l'eau. Ça sert à neuf, mais pour ça il sert à rien. En fait, l'idée c'était de prendre les œufs et puis de les mettre dans le dans l'aquarium. Donc ça, ça se mange avec le couteau comme ça. Hop. Voilà. Et je suis au taquet. Et je sais pas si vous avez vu là. Je crois qu'on n'a pas vu. Mais là du coup je me suis fait des belles plantations. Et au début j'avais mis le truc pour le module MK2. Enfin le générateur là. Ce qu'il y a à côté du CMOS. Du coup je préférais le mettre là-bas. Fait quelques améliorations. Là normalement. Oh c'est bon. On n'arrive pas sans électricité quoi. Allez. On y va. Du coup, je suis perdu. Non, c'était là. On ne sait jamais si on rencontre un méga monstre. J'ai pas envie de... avoir des problèmes. 250 mètres. À l'aise. Hein. On va peut-être découvrir autre chose. Ils ont pas mis de son là. C'est vraiment dommage. Moi je trouve que le module du CMOS c'est vraiment énorme. Donc là... Je sais pas si je l'ai fait ça. J'ai un doute. On va aller voir. En plus maintenant j'ai 225. Ah non, il y a rien. C'est quoi cette arnaque? Ah c'est de l'arnaque là, y'a rien. Puis le scan il s'affole pas donc tu vois. Non, il n'y a pas grand chose là. Ah ouais, je l'avais déjà fait de ces zones là. Il y a la table et tout. Ouais. Je me disais aussi. Enfin, 225 d'oxygène, c'est archi bien quand même. C'est quand même super bien. Et en fait, j'ai longtemps nagé avec un réservoir. Avec un réservoir petit. Parce que du coup j'avais pas vu qu'il y avait O2. De toute façon vous l'avez bien vu pendant l'épisode. Là c'est une capsule de survie.
Donc pendant qu'on est là, ici là, dans le champ à champignons, c'est ici qu'on va trouver les parties du cyclope. Voilà. Ici là. Il y en a partout en fait. Et il y a deux endroits. Donc là, c'est là le premier. Donc pour indication, si on prend... Moi, j'étais parti tout droit. Ouais, c'est ça. Là, voilà. Tu te mets là. Tu tournes. Et voilà, grosso modo, nord-nord-est. Donc là, ici, tu fais toute la zone et tu vas trouver plein de pièces de... Oula, c'est quoi ça? Pour le cyclope. Oh, c'est chaud ça. Si ça me touche, je suis mort. On va éviter de se faire toucher. Ouah, yes. Oh non. Non, ça va encore. Ah, par contre, ouais, c'était bien bien chaud de venir dans cette zone-là. Oula, oula, j'ai rien fait, moi. Il est sorti tout seul, il rentre tout seul. Ah ouais, à côté d'un truc comme ça, là. Donc là, c'est la capsule 12. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Canon à la répulsion. Mais je crois que je l'avais déjà, le canon à répulsion. New blueprint acquired. Données téléchargées. Pas l'air d'y avoir grand chose dans cette capsule là. Du coup, y a pas grand chose. Y a ça là. Moi, ouais, c'est pas. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ce que j'ai, les mini pompons là, j'en ai. Oh, c'est chaud là. Ok, bah écoute, la 12, à moins que ça m'ait donné quelque chose d'autre. Non. Ouais, le fameux bâton lumineux, mais il me manque un truc. Ah non, j'avais pas le celui-là. Canon à répulsion, d'accord. Oh, et non, bah j'ai rien dit. C'est un canon à répulsion, ok. Applique une force percutante aux entités à portée, d'accord. Ça sent bien, j'en ai deux. Je pensais en avoir perdu un. Bon, bah je suis pas venu pour rien. Donc là, il y a du sel, ça je sais pas ce que c'est. Oula. D'accord. Bon, on va aller faire le canon à répulsion là. Si on vient pas me faire chier là. Que je puisse réparer mon vaisseau. C'est pour ça que, il faudra que je trouve. Ok, donc on va aller faire le fameux canon, parce que j'en ai deux, donc ça se tombe bien. On va remonter, puis on reviendra. Ah ouais, ça fait peur quand même. Donc ça fait beaucoup d'aller-retour quand même. Hein.
Donc ouais, ici dans ce champ là vous allez trouver ce qui est votre bonheur pour le cyclope. Donc les premières parties du cyclope. Donc pour rappel, le cyclope. Donc là, bon, c'est parce que je voulais le faire. Mais du coup le cyclope, tac tac, c'est là. Donc ça c'est pour créer ce navire là. Merde, là, voilà. Donc il y a plusieurs morceaux à trouver et il y a des morceaux en trois parties. Et ici vous allez trouver principalement les premières pièces. C'est long là. Hein. Faites attention là. Et de nuit, franchement, ça fait peur. Il y a des zones, ça fait vraiment peur. Hein. Donc, si vous aimez l'aventure Subnautica, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sans spoiler le jeu, hein, pour ceux qui l'ont fini, tout ça, là, on est franchement en mode découverte, tranquille, c'est chill. Je suis arrivé chez moi. Bonjour. Hop, voilà. Donc à la base je devais refaire une base, puis du coup je suis parti là-dessus. Donc un des gros défauts par exemple de la version Switch, c'est que là il y a des pieds et là il y en a plus quoi. C'est pas mal ça. Donc, normalement je suis censé me prendre un pied mais là je me le prends pas. Et voilà. Welcome aboard, Captain. Hello. Hop. Donc ici. J'ai ça, ouais, parce que du coup je savais que j'en avais deux. Donc je sais même plus ce qu'il faut pour le canon à répulsion. C'est que ça va être pas par là. Ah, ça t'est bien de faire des onglets là. Ah, le prône, pareil, pff, avant de le trouver. Ah, canon répulsion. Circuit intégré, magnétite x2. Circuit intégré, je sais que j'en ai. Voilà. Et magnétite x2. Magnétite ou lithium? Ah, magnétite. Du coup ça doit pouvoir se créer là je pense. Même pas. Peut-être là alors. Non, même pas non plus. Non, de toute façon c'est pour le CMOS. Ah, module d'arme alors. Nickel. Je crois qu'il y a des améliorations de ce que j'ai vu ou j'ai rêvé. Ah non, ouais, c'est ça. Ok. Bon bah nickel, on va pouvoir le tester. Hop. Applique une force percutante aux entités à portée. Allez, c'est parti, on va le tester. C'est ça? Moi je pense pas que ça soit ça. Ah oui d'accord, ça les répulse à mort. Okay. Ça évite qu'ils viennent à côté de toi. Ouais, oh ça va. Ok. Par contre ça croque hein. T'as intérêt d'avoir de la pile. Je vais aller voir les rôdeurs. C'est pas mal. Je crois qu'il y a des rôdeurs dans le coin. Là. Ah, tu ramènes moins ta poire là.
Rodeur de merde. Oh, le vieil accent que j'ai fait là. Du coup, ça peut être pas mal. Je sais pas si ça peut faire quelque chose. Ouais, non. D'accord. Par contre, vive tes piles. Hein. Oh, le machin, un truc de ouf. Et du coup, ça va être bien. Parce que comme t'es là-dedans, bon, tu peux pas avoir les deux là. Et tu sais, t'as le truc des sables là. Hein, c'est pas mal. Ok, impeccable. Bon, ça, on garde. Hop. Ça peut servir. Donc là, on a vu ça, on a vu ça, impeccable, on a construit pas mal de choses, on a fait MK2, MK3 pour le CIMOS, donc 900 mètres de profondeur. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la deuxième zone pour le Cyclope. Peut-être aller chercher un petit peu à manger avant. Ah, d'accord, bah lui, il fonctionne plus. Lui, il fonctionne. Non, c'est une caméra, l'autre. Hop. Et c'est bon. On va partir tranquille. Par contre, dans la zone que je vais vous montrer, faites très très attention parce que direct il y a un gros. Ça, j'en ai pas besoin. Hop, c'est bon. Il y a un gros Léviathan. Spoiler alerte. Hein. Là-dedans, j'avais rien mis de mémoire. Non, j'ai des piles, une balise, c'est bon. Alors, c'est tout con. Pour la dernière partie du cyclope là. Hop. Vous voyez là le cul du vaisseau, bon, en fait il faut aller là tout simplement, et c'est là que vous allez trouver les parties du cyclope. Par contre, ça, il va m'en falloir parce que du coup j'ai bouffé pas mal de titane. Oh, il y a ce qu'il faut là, nickel. Hop. Wow. Là. On a vite fait de se perdre. Petite sauvegarde. Hein. Ça fait pas de mal. Donc c'est du côté où il y a le sable et tout ça. Et c'est vraiment chaud. Parce que j'ai pas fait grand chose, j'étais à juste au cul du vaisseau et là gros Léviathan. T'es si loin que ça? Donc le casque anti-radiation, obligé. Voilà. Fait tout noir. Oh, Jackie, fait tout noir. Ah voilà, on y est. Donc écoutez bien, mais généralement on l'entend quand il est dans le coin. Donc c'est dans cette zone là, au cul du machin. Donc là vous voyez, ouais, le problème c'est qu'il fait nuit, on va pas voir grand chose. Ah voilà. Vous voyez? Je vous l'avais dit, il y a un gros Léviathan là. Faut faire super super attention et c'est au cul. Donc là voilà, au niveau de l'est. Bah ici vous allez trouver des trucs à scanner. Donc faut faire toute la zone, faut ratisser et vous allez trouver. Là par exemple. Là, un exemple, il y a un truc à scanner. Et il y en a un autre dans le coin. Wow. Oh, c'est chaud, il vient même dans cette zone là le bâtard. Remarque, je suis dans sa zone mais. Eh, je l'ai pas entendu hein.
Oh, c'était chaud. Ah, il est là-bas. Donc voilà, c'est dans cette zone-là que vous allez trouver l'autre partie. Là, il y en a encore là aussi. Je crois qu'il y a un truc à scan. Ouais, passer par là. Il faut faire toute la zone et donc éviter le Léviathan. Voilà, comme ça vous savez, la forêt aux champignons est ici. On l'entend. Je sais pas où il est, mais essayez de venir de jour. Après, c'est pas peut-être pas le meilleur conseil, hein, mais. Hop. Non, je vais aller me poser un petit peu. On l'entend, il est pas loin. Putain, ah, il fait flipper, hein. Quand tu l'entends comme ça, c'est qu'il va arriver sur ta gueule. C'est con parce que t'es dans un jeu, hein. Du coup, tu devrais pas flipper, mais là, sachant que t'as du matériel et tout ça. Si le mec il te met chaud, ton Simos il est mort, bah, tout est mort, pff, ouais, voilà quoi. Donc là j'ai la caméra 2. Ok. Donc là l'île alien on l'a vu. Là j'ai le vaisseau à voir. Hop. Ah dans le vaisseau à voir aussi pareil. Hein. Oh, c'est du chaud hein. Ouais, il reste encore là. Ah, faut qu'on y aille. Le point de rendez-vous de l'Aurora, terre émergée. Hop. Moi, j'ai des débris, mais bon. C'est pas grave, j'ai encore de la place. Allez. Je me pose, ça donne ça. Ah là où il y a les scarabées, oh, c'est chaud. Rendez-vous terre émergée. Ah, je sais même pas ce que c'est terre émergée. Mais... Donc il y aurait un bout de terre quelque part. mètres. Ça va, normalement j'ai de l'eau. Je suis pas parti... Ouais, j'ai de l'eau, j'ai une bouteille. C'est chaud, hein. Les terres émergées. Bon, parce que c'est. C'est un point en surface en tout cas. Il a l'air d'y avoir un bout de terre là-bas. Je suis à 300 mètres, je devrais le voir. Ah ouais! Bon, bah il y a un bout de terre ici. C'est énorme, hein. C'est énorme. Non. Ah ouais, il y a des trucs d'escarabée au fond. Ah si, je vais essayer de vous les montrer. J'espère que je vais pas me faire défoncer. Après, on ira sur la terre émergée. Oh, déjà, la musique, elle change. C'est que ça pue. Je sais pas si on va en voir, je l'avais mis là mais j'étais en train de me promener à Yep. J'ai marqué scarabée, je les ai vus marcher dans l'eau. Ouais ils sont là. C'est ce machin là. Oh, c'est énorme. Et c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, la dernière fois que j'ai joué quoi. Des scarabées. Alors je sais pas si c'est gentil ou méchant. Ça c'est chiant, ça te fait des attaques et la musique elle change. Voilà.
Il m'a peut-être repéré lui. Allez hop, on remonte. On va aller voir cette fameuse île. Putain, c'est énorme. Mais par contre, je sais pas où on amarre. Faut que je trouve un truc pour amarrer. On doit pouvoir amarrer quelque part. Hein. Mais où? Putain, c'est carrément une île. Une île flottante. Peut-être là. On va laisser le vaisseau là, on verra bien. Non, ça doit pas être là. Pour mon amarre là. Putain, il y a tout, mais là je peux pas y aller. Bon, c'est pas par là. Je pensais que c'était par là, mais non. Oh, il doit bien y avoir un point pour amarrer. Bah là par exemple. Hop. Et voilà. On sauvegarde. Et donc il y a un point à aller voir là-bas. On va voir ce que ça donne. Par contre. Ah, le problème c'est que j'ai pas mal de merde. Ah. Wow, tout ce qu'il y a. C'est un peu comme sur l'île alien, quoi. Bon, il y a un petit peu plus de... Ah ouais, il y a X, c'est pour sauter. Ah, les fameux champignons que j'ai trouvés. Et donc, on est là, et nous, on est par là, d'accord. Donc, voilà, si vous voulez vous situer... Plante Ming. Qu'est-ce que ça donne la plante Ming? Ça se mange? Non, ça se mange pas. Oh merde. Ah non. Oh, c'est con ce qui m'est arrivé. Mon fabricateur. Bon, il y a exploré là. Hein. Oh, il y a de l'eau. Bah oui, mais enfin, c'est mon nom à moi, quoi. D'accord, on pouvait arriver par-dessous. Ok, moi j'ai cherché un endroit. Ok. Ça va pas pouvoir se manger ça. Ah merde, faut aller là-bas. Oh, fait chier. Bon bah on y va. Ouah. You OPDA. Alors deux messages de rendez-vous. Ok. Putain, c'est énorme. Ah il y a un truc là. Je sais pas si je vais en avoir besoin.
C'est joli. Ouais, il a pas l'air de vouloir. Comme sur l'île alien, c'est un peu hostile, on va attendre un petit peu. Hop. Oh putain, il y a un truc là-haut. Champignon orange. Est-ce que ça se mange? Indigène. Déposé. Deviendra un spécimen mature s'il est planté dans de bonnes conditions. D'accord, mais on n'a pas l'air de pouvoir en faire grand chose. Il y a un truc là-haut. Oh le délire. Y'a quoi là? Y'a rien. Ok. Oh le bordel. Ouais, y'a un truc là. On y va. Je sais pas comment on descend, mais on descend. Non. Oh, puis il y a un truc là qui est méchant. Comment on sera douté? De toute façon, je peux le buter avec mon couteau. Fusil à stage, je l'ai déjà. Puis en plus, j'ai ça maintenant. Il s'est affolé tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi. Allez, casse-toi. Wow, on peut même péter les pierres. Lui va me faire chier. C'est bon, t'es assez cuit là. Integrating new PDA data. Au rempart des cavernes. Oh, je suis déjà à l'échelle, je suis déjà là-haut. Je sais pas ce qu'il va me faire scanner. D'accord, ça je sais pas ce que c'est. Ah, un projecteur, d'accord. Là, il y a quoi là? Ah, il y a des plantes dehors. Attention. Tchou. Oh le frisbee. Là. Ça je l'ai déjà. Ouais, je l'avais déjà. Ah, il va falloir que je le bute, hein, il est où? Je crois qu'il est mort là. Alors, putain, il y a plein de trucs là.
Ouais, tant pis pour la magnétite. Hein. Moi, je dépose ma merde, mais bon. Oh, merde. Bon, tant pis. Récupérer comme ça. Hop. Comme ça, on va pouvoir manger. Je pense. Pommes de terre chinoises. Ok. À consommer. Déposer. Donc là, je peux consommer. Ça, c'est à déposer. Mais ça, je vais. Ok. Là, j'ai vu un nouveau truc. Ah, un projecteur, ouais. Bac et culture d'intérieur. 0 sur 1. Il y en a un là. Ok, ça peut être ça. Oh merde. Il me semble que j'ai tout. Un fusil à ça, j'ai déjà. Ah, porte étanche. Ok. Là, il n'y a rien. Et donc, il y avait le truc là-haut. Je sais pas comment on va y aller là-haut, mais on va y aller. Hein. Ok. Pas intérêt de se péter la gueule. On passe dans une grotte avec des œufs, des champignons. Ok. Le chemin est escarpé. Ah, une autre base. Patate chinoise, ok. Petit melon marbré, ça on a. Ok, emplacement d'habitants. C'est énorme. Ouais, je reviendrai sur l'île. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de propre sur l'île. C'est tout ce qu'il y a, ok. En hauteur comme ça. Ah, il y en a encore un là-bas. Merde.
Du coup, faut que je redescende. Et le chemin, il est... Ouais, vous avez vu là? Oh non, je crois que c'était un fake. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à redescendre pour aller de l'autre côté. D'accord. Donc on visite... ouais, je connais pas du tout. Hein. On visite ensemble... Ça va, y a pas trop d'ennemis là. Il y en a là-bas. Juste que je trouve le chemin. Si j'utilise bon chemin, mais ça a l'air d'être ça. Ah. 2 minutes. Il ne me reste plus qu'une bouteille. Vital signs stabilizing. Ok, ouais, va falloir que je revienne. Hein. J'ai un peu de mal. Allez, encore le fusil à stase. Mais je m'en fous. Oh, une bouteille d'eau au cas où que t'en aurais pas pris. Wow. Wow, excellent, bac de culture intérieure. Wow. Forme de vie indigène. Palmier fougère, panier à verre, ouais. Oh, excellent. Waouh. Ah, l'inventaire est plein. Mon inventaire est plein. Non, il reste... Ah oui, non. Ok. Ok. Sommet déposé. Ok, bah impeccable. Il n'y a plus qu'à... Là, il y a un PDA. Ok, super. Bon, bah voilà. Du coup, j'en reviendrai. Je vais essayer de retrouver mon Simos. Ah, il est là. Et puis, oh putain. Je vais revenir. Je vais laisser une balise. Même si je sais que c'est au cul. Comme ça, j'aurai pas besoin de chercher l'entrée. Même s'il y a une entrée en dessous. Hein. Je trouve l'entrée en dessous, mais et pourquoi pas faire une jonction de communication. Oh, et haute, casse pas la gueule entre mon vaisseau et puis ça. Parce que du coup, le Simos il est là et c'est là-bas. Donc là, ouais, ça fait 1 km quand même. Hein. Mais pourquoi pas faire une jonction en fait, un tunnel. Ça, ça me permettra de cultiver. Ah, le Simos il est là. Allez, bon, du coup on a découvert pas mal de trucs. Hein. Super intéressant. Ok, ah oui, j'avais dit que je laisserais une balise pour l'entrée. Hop. On se déplace et la balise on va la laisser là. Parce que du coup... on va revenir aussi. Donc voilà. Donc, on va appeler il naufragé si on peut. Il. Voilà. Allez hop. Il naufragé. Et l'île naufragée. Donc là, on a le bac de culture. Ça commence à faire là.
vaisseau à voir, rubis, huile de sang, île naufragée là. On va la mettre aussi en jaune, voilà. Pourquoi pas. Ah là, à mon avis, faire une base là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Allez, on retourne là-bas. En plus, je vais être en manque d'eau. Donc, épisode fort intéressant. Donc, je vous ai montré les capsules de naufrage. Donc là, on a récupéré d'autres points. On verra ça après. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais, non, j'ai pas envie de m'aventurer. Pas trop envie. Merde. Voilà. Il va refaire nuit. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir être en autosuffisance. C'est super bien. De faire une salle. En plus, je crois que j'ai une salle qui sert à rien pour le moment, ou manquerait une. Tranquillement. Ah, ça te fait vachement avancer dans le jeu, c'est super bien. Bon, j'ai entendu des trucs là, mais bon, le canon à répulsion par contre, il est énorme. Yep. C'est ce qu'il faut là. Allez, on va rentrer. Mais non, c'était pas là la sortie. Enfin l'entrée, c'était par là. On va y arriver. Pour l'instant, c'est pas servi des 900 mètres de profondeur, mais ça devrait pas tarder. Vu ce qu'on a découvert. Et voilà. Donc là, j'ai des trucs intérieurs et extérieurs. C'est vraiment énorme. Hop. Du coup, de l'eau. Voilà. Ensuite, bah, en fait, ce que je peux faire déjà pour commencer, je sais pas si j'ai de la. Non, je vais pas en avoir là. On va regarder ce qu'il faut pour créer le pot. Ouais, c'est de la fois 4. D'accord. Bon, on va faire une salle là, puis on verra après. Au pire, on aménagera au fond en fonction de quoi. Il faut de la magnétite. À moins que j'en ai là en réserve, mais je pense pas. Oh oui, j'en ai là. Faut 4. Voilà. Donc là j'ai intérieur-extérieur. Donc c'est nickel. Hop. Prends le fabricateur. Voilà. Et on va commencer à créer. Non, pas ça. Moi le projecteur ça pourra servir mais. Oula. C'est bien intérieur celui-là. Il sera pas trompé avec l'extérieur. Si je peux, je vais essayer d'en mettre deux. Voilà. Dedans, je vais déposer. Alors, vieux fruits lanterne, nourri. Ok. Déplacer. Petit melon marbré. On déplace, hop. Il reste encore de la place, hein. Une place. Voilà. On va faire un deuxième. Non, il me faut. Wow. Hop. Et genre, je vais retourner sur l'île en off. Et si je découvre quelque chose de bien, bah, je vous en ferai part. En plus de ce que j'ai déjà découvert, je pense qu'on a déjà découvert pas mal de choses ensemble là. Hop. Et voilà.
dépose et on va attendre que ça prenne. Du coup. On va faire une zone. Hop. Voilà, j'en ai plus. Comme ça, ça va le vider un peu, ça va faire du bien. Voilà. On va se faire des petits bacs un peu partout. On va mettre des arbres, comme ça on aura besoin de rien. Oh, je marche dans mes plantes et... Ah, viens par là toi. Pas que ça me gêne non plus pour marcher. Du coup, sinon, j'aurais pu le mettre un petit peu plus au fond. Voilà. On va le mettre plus par là. Et voilà. On laisse ça comme ça pour le moment. On pourra se faire aussi des armoires pour stocker. Je sais pas. Ah, peut-être que ça va pourrir. À voir. Donc là. Nickel. Donc ça, je les avais découverts sur l'île alien. En eau, on est bien. Et voilà. Bon, j'ai encore faim, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Hop, on va faire une petite sauvegarde. Mais puis bah, ça va être bien. Petit épisode de pratiquement 2 heures. Ensemble. C'est passé encore super vite. Donc là, normalement, je sais pas. Tac. Donc ça, je vais le stocker. Je vais le remettre là-dedans. Ah ouais, là, il y avait de l'or. Ok. Je crois que mon or, je vais pouvoir la replacer. Pas sûr. Diamant, or, hop. Ah bah non, c'était déjà plein, ok. Autant pour moi. Donc je vous ai montré les deux endroits du cyclope et du coup dans le prochain épisode, bah, on va pouvoir se faire le cyclope. Donc là le cyclope, tac tac. Ah oui, il y avait la fameuse porte étanche aussi, là. Porte étanche fournie, un support minéral, caoutchouc silicone et 3 titanes. On peut voir où on peut en mettre et puis on va se quitter là. Donc caoutchouc j'en ai, c'est sûr. Hop, on va prendre là. Voir un peu ce que ça donne, où on peut mettre une porte. Voilà. Et du caoutchouc. Voilà. Sauf que je termine. Voilà. Et du coup, où je pense qu'on peut... Je pense, hein, mais je suis pas sûr. On peut essayer. Hop. Hop, non, c'est là, je crois. Ouais, c'est ça. Non, ah bah non, on peut pas là. C'est quand même stock, hein. Je sais pas où on la met la porte. Je pensais que ça allait là-dessus, mais non. Non plus. Non, c'est très étrange. À voir comment c'était posé. Non. Non, ça peut pas se poser là. Donc ça doit être une construction un peu particulière. Bon bah c'est pas grave. On verra pas. Je vais chercher le poisson pour une dernière fois. Bon après je pense que je serai en autosuffisance.
Et pourquoi pas faire un chemin jusqu'à l'île, hein, directement pour être tranquille. Là, ça, c'est une caméra. Hop. Voilà. Et voilà. Donc si vous avez besoin de points, me demander où c'est ou telle chose, bah on peut y aller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on peut y aller ensemble. Si je l'ai découvert. Parce que là du coup on devait se faire le fameux vaisseau que j'ai pas terminé, mais voilà, ça fait déjà 2 heures. Après on a découvert une île. Donc je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas plus de musique que ça pour l'instant dans le jeu. Et puis les fameux freeze crash, ça c'est vraiment chiant. Donc voilà pour cet épisode, donc l'épisode 5 en VOD sur Subnautica. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.